can't touch this. Can't touch this. Et on se retrouve pour le troisième épisode de Don't Touch My Brush. Alors, ce n'est pas réellement le troisième épisode, c'est plutôt le quatrième. Mais malheureusement, quand j'ai record le troisième, j'ai fait un fail. J'ai tout simplement oublié de lancer le record de vidéo. Donc, j'avais le record audio, mais j'avais pas le record vidéo. Alors, pour faire un petit résumé, lors de l'épisode 2, la fin de l'épisode 2, j'étais passé B-. Et pendant l'épisode 3, donc celui qui aurait dû être le 3, je suis passé B. Alors il m'a fallu une heure, j'en ai chié, j'ai eu 4 ou 5 défaites pendant l'heure avant de réussir à passer rang B, de B- à B. Donc ça m'a un peu refroidi, et je me dis que si j'arrive en S, je serai très fier de moi, mais je pense que j'arriverai plutôt A- peut-être. Donc voilà. Alors, il faut savoir que j'avais aussi acheté du stuff et que j'ai monté un peu le stuff. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah bah oui, j'en avais acheté pas mal. J'ai pas acheté ça. J'aurais jamais acheté ça. Pourquoi j'aurais acheté Ultime Sursaut? Ah si, voilà. J'avais acheté du stuff pour pouvoir espérer en avoir plus de différents les prochaines fois. En achetant du bas stuff pour en avoir plus avec deux déjà ouverts. Enfin, voilà. Donc j'avais aussi monté du stuff avec de la défense, la course à pied, et ça avait plus ou moins marché. Après j'avais aussi testé avec Joe Special Plus pour essayer de charger plus rapidement mon Kraken. Enfin voilà, différentes techniques. Et ben on va retourner voir les accessoires qu'il y a disponibles cette fois, en espérant qu'il y en ait pas mal de cool. Attends. Ouais, le comeback ça peut être intéressant. Je vais le prendre. De toute façon, l'argent pour l'instant ne me sert pas à grand chose à part acheter du stuff parce que je ne peux pas augmenter les places tant que je n'ai pas atteint le niveau 20. Merde. Mais non, Théo, tombe pas dans une boucle infinie à demander toujours la même chose. Ok. Turbo Calamar, de la force. Ah, du buvard, ça par contre. Je top là. Maintenant. Prendre aussi tout ce qui est force. Hein. Hop. On va voir un peu. Je vais voir si c'est intéressant de mettre de la force. Comme je l'avais dit dans l'autre épisode, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de mettre de la force. Alors j'ai pas regardé si c'était vraiment utile. J'ai oublié. Voilà. Jeu spécial plus et vitesse en calamar. On va mettre ça pour plus tard. On va regarder ça aussi. Non, c'est bon. Bah écoutez, on va déjà regarder le mode et on va voir ce que donne la force sur le défense de zone. Ça, c'est bien pour moi. J'ai l'impression d'être en mes défenses de zone pour l'instant. Alors, est-ce que la force est utile ou pas? Voyons voir. Ah ouais, la force a l'air utile, hein. On va voir s'il y a une limite. Alors, tac. Attends, j'ai touché deux fois, c'est pas possible. 32.9. 32.1. Ouais, je pense que la force est utile. Hein. Alors, on va essayer de mettre un ou deux de force, peut-être. Qu'est-ce que j'ai acheté qui était pas mal? Lui, ce sera pas mal. Il n'y avait pas de force ici. Et j'en ai un avec de la force. Ouais, la question ça va être est-ce que je prends ça ou pas. On va déjà regarder ce que ça donne. Si ça me permet de gagner un hit, c'est déjà cool. Sur les. Ouais, ça me permet de gagner un hit, j'ai l'impression. Je comprends pas trop là, pourquoi des fois ça donne plus 32.7, ok. Peut-être que je m'éloigne en fait pour voir vraiment. 38.7, ok. 34. Pourquoi celui qui a plus de défense? J'ai du mal. Ou alors... Ok. Par rapport au centre? Ah non, il est...
Ok, bon, on va refaire un test avec. En full force, j'ai pas eu un autre de force en. Ah merde, je n'avais pas. Bon, on va laisser comme ça alors. Et en fonction de ce qui tombe, je passerai peut-être avec du défense sur la tête. Allez, c'est parti, trêve de baradage. Oui, donc le dernier épisode, c'était un vrai calvaire. En fait, au début, j'ai beaucoup gagné. Je suis arrivé très proche de passer facilement en B. Et alors, soit j'ai joué de malchance, soit avec mes coéquipiers qui n'étaient pas forcément efficaces. Alors, c'était en bazookarp, hein, donc c'était pas forcément évident. Et ouais, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup galéré. Et je m'excuse aussi, bien sûr, de pas pouvoir vous montrer cet épisode. Ça, malheureusement, les erreurs, ça arrive. Et je vous dis pas, quand j'ai vu à la fin que j'avais pas lancé le record, je m'en voulais carrément. Putain, tour Jirel, hein. Ça me tente vraiment pas cette map. Enfin, avec le, surtout avec le, les pinceaux brosses. Mettre une balise en haut à droite. Oh non, Ben, vas-y, s'il te plaît, joue. Mettre une balise ici. Allez, allez, allez. On va en mettre plusieurs au cas où si mes collègues pensent à s'en servir. Ah, je suis... on est un peu dans la merde déjà. Ok. Alors. Oh, il me visait carrément au-dessus de moi là! Là, il y en a un qui contourne pour se mettre en haut. Ah, bien, nickel. Ça évite quand? Deux, c'est déjà bien. J'aurais dû mettre une balise. Mais je préfère me dépêcher et les surprendre que de mettre une balise. J'espère que je l'ai fait tomber. Ouais. Putain, on n'a pas notre zone. Ah si, c'est bon. On a notre zone, mais c'était pas l'heure. Ok. Allez, hein, je vais me dépêcher de monter et essayer de surprendre celui qui est en haut. J'en ai eu un. Il est où le dernier? C'est notre zone qu'on n'a pas, putain, c'est notre zone qu'on n'a pas. Non, on n'a pas notre zone, bordel de merde. Idées. Oh, je l'ai eu avant. Voilà.
Allez, on se TP. Mais alors, pourquoi je mets TP là, ça va aucune utilité. Allez, allez, allez. Allez, c'est bon, super. Ouh, j'étais tendu pendant le match, hein. Alors, je sais pas vraiment si j'ai pas l'impression que je fais plus rapidement, mais bon. Moi je fais des kills. Défense, jauge. Oh, c'est tout est pas trop mal pour l'instant. On relance vite fait. Allez. Ah, voilà. Bon. Bon, je commence à me faire alarme après. Bon, ça, en crampot, elle est vraiment cool. Par contre, avec les pinceaux brosses, quand tu contournes rapidement, c'est un vrai plaisir. Ok. On a déjà un chez nous qui est mort. Ça pue. Deux de mort. Ils devront bientôt avoir la zone, je pense. Non, on spawn pas sur moi. Ok, un. Putain. Ok, bon, hop, ça c'est bon. Mais. Oh, putain, j'ai cru que j'avais fait n'importe quoi. Ok, 1. Et en haut. On va pas un par là. Il est reparti. Voilà, ici. Ok. Ouais, bon, parfait. Bon, deuxième victoire, ça se passe bien. Ah, j'ai fait refaire, ça va être plus long, c'est chier. Non, non, ça va, si tout le monde reste, ça va être assez rapide, mais non. Allez, encore un.
J'ai pas fait gaffe au score que j'avais fait. Bon, c'est pas grave. Sniper. Faut espérer qu'ils soient pas bons. Et passe de tous les côtés. On est en bas. Et allez, mon plan, plan. Ah putain, je pouvais rien faire à deux contre un. Viens vers moi. Voilà. Ah, fais chier, j'ai fait naps. Petite qui fait prends-le maintenant, hein. Bah ouais, un peu mais pas beaucoup, mais ça sera toujours ça. Bon, ça enchaîne bien. Allez, des bons bonus. Ouais, un peu trop diversifié maintenant. Hop. Je pense que la force c'est vraiment utile, ouais. Avec les pinceaux brosses. Faire plutôt ça maintenant. Ou de la défense, je sais pas. J'aime bien avoir mon Kraken. Allez, hop, j'aime bien avoir mon Kraken. Et un petit peu de force en plus. Ça fait jamais de mal. Niveau 15, ah, j'ai accès à de nouvelles armes, mais je pense qu'il faut atteindre le niveau 16 pour avoir le prochain épinceau brosse, qui je sais pas avec quoi d'ailleurs. Peut-être avec le Lance Tornade. C'est pas mal ça, un épinceau brosse avec Lance Tornade. Après, les balises, c'est pas mal quoi, avec les coéquipiers pour bien gérer la zone. Allez, s'il vous plaît, trouvez des gens.
C'est trop long. J'aime bien, c'est qu'il recharge indéfiniment le chrono alors qu'il n'y a personne qui se rajoute. Ouais. Ok, ça va être chaud, hein. J'espère que l'autre va se servir aussi de ses balises. Si on a beaucoup de balises, ça peut être très emmerdant pour eux. Mais après, on n'a pas beaucoup de portée comparé à eux. On a un peu moins de portée, on a quoi, Kagour. Hein. Déjà, ça commence mal, il n'y a peut-être aucun de chez nous qui avait pas la zone. Sneaky. C'est efficace. C'est vrai que j'arrive à faire 2-3 kills avant de push. Il y en a un qui est mort dans notre équipe. Eh oh, pas déconner quand même. Non! Je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, putain! Là c'est bien, on a repris la zone. Allez, juste 2 points. Ouais, c'est bien. On a pris l'avantage, c'est déjà ça. Et il y en a même un qui fait un bon push là, les pinces aux brosses touchent pas mal, comme eux. Allez, mais... Oh mais non! Oh mais tous mes coéquipiers sont morts! En plus l'autre qui a utilisé ma balise. Bon, au moins c'est bien, il utilise ma balise, donc c'est déjà ça. Fait chier. Qui passe par là. Si tu as fait plaisir, vas-y, vas-y là. Hein. J'ai l'impression qu'on va se faire prendre. Oh, casse-toi, Théo. Putain, ouais, c'est bon. Je suis pas mort. Oh, saloperie. Saloperie. Non, non, comment ça? Il est où? Ok, il est pas là.
Ah, j'en ai la coupe. Oh, il se TP. Ouais, mais il se TP là, c'est n'importe quoi. Oh là là, et en plus il continue de tirer après sa mort. Merde, je suis mort. Oh putain. Bon. Ouais, nickel. Fouh. C'était de la résistance, hein, plutôt que que des pushes là à la fin. Allez. Bon, en tous les cas, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe même mieux que le passage de B-1B. On va pas créer victoire trop vite, hein. Mais j'ai encore quoi, 4 matchs et je suis B+. 4 matchs gagnés, bien sûr. En repos, ça c'est cool. Ok, Dynamo Rolo. Bah, comment il a pu sauter? Il lag, ok. Ça, c'est dit. Pardon. Ah putain, merde. Bon, on va prendre son temps. Okay. Allez, on prend son temps. Mais meurt. Oh mais lui il lag tellement. Oh mais non, mais et peignez la zone là, coéquipier de merde. Oh, fais chier. Mais ils foutent quoi, mes coéquipiers? Allez, on pense cette zone là. C'est pas difficile de prendre une zone quand même. Oh là là. Oh mais non, je fais n'importe quoi.
Oh mais non, ah cross kill, c'est bon. Allez, tenez la zone. Encore un tout petit coup. Ouais, c'est. Aïe aïe aïe, quand même, c'est un calvaire quoi. Oh mais non! Oh non 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'obtient pas la zone là? Ah c'est bon putain. Je pense qu'on peut sentir le stress du fait que je ne parle pas pendant les parties. Encore deux parties alors. Et ben je pense que si je gagne les deux prochaines parties, ben je m'arrêterai là pour ce troisième épisode. On va faire un match. Non, on va relancer avec une nouvelle équipe. Putain, le mec qui part en vert déjà dès le début, ça prend. Non, on contourne. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, je m'en fous d'elle. Oh non, 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 quel truc de merde. Ouais, je pense qu'on va. J'en ai pas eu un, il était là devant moi là. Je l'aurais pas touché, ça. N'importe quoi.
Ok. Cette technique, c'est d'utiliser les trackers. Il est où ça pour rester là? Oh, oh, oh. Allez, il faut prendre la zone. Ok, deux. Allez les mecs, faut faire le taf un peu là. Même technique, hein, qu'on tourne. Il y a toujours lui qui est là. Voilà. C'est bon, les deux sont morts. Perdu. Bon, ça a l'air bien engagé. Encore une! Une dernière. Ouais, plus que 3 points, c'est bon. Victory. Victory. Mais j'aurais moins galéré en rang B qu'en rang B, moi. Hop. Tu tombes aussi contre des jeux en B moins. Ouais, oh, aussi, ouais. Un peu moins, mais hein, tu tombes quand même contre des B. Mais ça fait mieux jouer, j'allais dire. Ouais, un peu mieux, ouais. Après. Après, des fois, t'as pas de chance et puis c'est tout. Hein. Après, le mode était moins avantageux. J'étais en bazooka. Alors que là, c'est défense de zone. La défense de zone, c'est vraiment le mode où t'es censé être bon avec les pinceaux brosses. Ouais. Un blaster. Bon, il sera facile à tuer. Ah bah oui Théo, ah bah là, ouais, bien sûr. Allez, active pour craquer. Ah c'est rare. Thank you.
Et... perdu, il fallait pas tomber. Ah, fait chier. Je pensais qu'il allait descendre. Dans tous les cas, pour l'instant, on garde la zone. Ça sent bon, là. Ça sent le B+. Par contre, il va falloir que je repose des valises. Ils s'en sont servis. Ou je m'en suis servi sans la remettre. C'est aussi possible. Hein. Ah, fait chier. Je suis trop con. Merci, c'est gentil. Bon, au bout d'un moment, ils vont quand même comprendre que je les contrôle tout le temps. Alors, voilà un qui a compris. Il a compris un peu trop, mais il a pas réussi à tirer. Il aurait dû tirer d'abord. Oh putain, je suis passé au rouleau, mais je suis mort. Ouh, super. Eh ben écoutez, alors ouais, je sais, j'aurais pas beaucoup parlé, mais il faut savoir qu'il y a ma petite amie à côté de moi qui sent pas très bien, donc je me voyais pas de crier pendant qu'elle essaie de se reposer. En tout cas, je suis quand même content d'être arrivé B+ sans défaite aujourd'hui. Ça change de l'épisode que vous avez pas eu où j'ai vraiment galéré et j'ai même ragé pendant l'épisode. Je suis sûr que vous auriez aimé voir ça, mais bon, tant pis pour vous. Et oui, et donc bah merci d'avoir regardé cet épisode et puis bientôt l'épisode 4, peut-être pour mercredi soir ou dimanche prochain. Ciao.